Le Premier ministre letton, Krišjāni Kariņš, a annoncé lundi sa démission. Cette démission fait suite à un remaniement gouvernemental dans l'État balte. Monsieur Kariņš remettra sa lettre de démission au président Edgars Rinkevičius jeudi. Le Premier ministre a également demandé à son parti libéral-conservateur Nouvelle Unité de présenter un nouveau candidat au poste de Premier ministre. Monsieur Kariņš, qui est Premier ministre depuis 2019, a déclaré qu'il ne souhaitait pas diriger lui-même le prochain gouvernement. Une coalition tripartite a gouverné en Lettonie, qui, outre Nouvelle Unité, comprenait également l'Alliance nationale conservatrice et le parti centriste Liste Unie. Mais en raison de désaccords majeurs au sein de la majorité, M. Kariņš, 58 ans, a annoncé vendredi qu'il souhaitait former un gouvernement plus large, comprenant également deux partis d'opposition. M. Kariņš insiste depuis longtemps pour que la coalition existante soit élargie à l'Union des Verts et des Paysans et aux progressistes de gauche. Il estime que le travail du gouvernement serait ainsi plus efficace. Mais les partenaires de la coalition ont rejeté l'idée d'un élargissement du gouvernement. Nous devons trouver un moyen de mettre de côté les petites divergences d'opinion et de créer une coalition plus large, plus forte et plus dynamique.